Okay, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Abbas Pongula, lycée franco-arabe Matam. Monsieur Abbas, vous êtes le premier de la République en sciences expérimentales. Dites-nous les sentiments que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content tellement parce que pour avoir le premier de la République, ce n'est pas facile. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour avoir le lauréat de la République. Pour avoir le lauréat, il faut la révision, la bénédiction des parents et des maîtres un peu partout. Quels sont les efforts que vous avez à fournir pour être premier de la République? Ici, pour être premier de la République en sciences expérimentales franco-arabes, il faut d'abord travailler en sciences. Biologique et physique chimie et les matières arabes, philo, langue arabe et théologie pour avoir lauréat de la République en franco-arabe. Il faut faire beaucoup d'efforts pour la biologie et la physique et chimie parce que la mathématique c'est pas difficile comme ça pour moi. Quelle option comptez-vous faire à... Moi, je compte faire la médecine. Quels sont les conseils que vous avez à donner à vos amis qui n'ont pas eu? Mes amis qui n'ont pas eu, je vais les dire de fournir beaucoup d'efforts parce que l'année-là, ils n'ont pas eu, mais si ils fournissent beaucoup d'efforts plus que l'année-là, l'année prochaine, Inch'Allah, ils vont avoir, Inch'Allah. Ils n'ont qu'à fournir beaucoup d'efforts. L'échec va passer, mais l'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes des lauréats, mais il y a parmi les élèves qui n'ont pas eu le bac qui sont plus forts que nous. Nous, on compte la formation, pas lauréat de la République. Et j'ai une question aussi à poser à notre président de la République, M. le professeur Alpha Condé. Pourquoi les lauréats des franco-arabes ne partent pas au Maroc ou l'Arabie Saoudite pour améliorer leur expérience? Pourquoi ça? C'est ça que je vais poser à notre président de la République, le professeur Alpha Condé. Merci. Merci.